Hello famille, nouvelle vitrine, Search TV. Info people, actu showbiz, tous les faits de société, cinéma, sport, opinion et débat. Search TV, nous trouvons l'information que vous cherchez. Yo famille, c'est comment? En tout cas, continuez de vous abonner, hein. 15 000 abonnés, vraiment merci, 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 merci du fond du cœur. C'est Dieu qui vous récompensera. Voilà, ce combat-là, on est dedans, on va jusqu'au bout. Voilà. Avant de parler du sujet de ma vidéo, je voudrais vous rappeler que ce vendredi 6, voilà, le maître de Bordeaux Likoufa, l'artiste le plus talentueux de Côte d'Ivoire, voilà, qui s'est réconcilié avec son meilleur ami de tous les temps, Didier Arafat, à son spectacle. N'oubliez pas, c'est ce 6-là. Voilà, n'oubliez pas, ce 6, vendredi 6. Je compte sur vous, famille, je compte vraiment sur vous. Déplacez-vous massivement, 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 parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous comprenez un peu? Donc, je compte sur vous. Voilà, dans cette vidéo, je voudrais juste rapidement réagir sur ce que j'ai vu sur la toile. Je veux parler de Didier Arafat et son soi-disant ministre de la Défense. Voilà. Bon, voilà ce que je vais dire. Vous voyez, dans la vie, il faut comprendre certaines choses. Quand tu penses que tu fais tellement bien que je vais te permettre de outrepasser la hiérarchie, c'est comme ça qu'on te remercie. Voilà. Moi, j'ai été choqué quand j'ai vu son direct de 43 minutes là. Il n'avait pas pu faire les 3 minutes. Le maître est dit, petit, c'est moi qui suis ton président. Tu ne fais pas de vidéo. Voilà. Parce qu'une réconciliation là, c'est pas quelque chose de mauvais. Donc normalement, tu n'as rien à dire. Où est le mal? Arafat l'a toujours soutenu. Soyons sérieux. Didier Arafat l'a toujours soutenu. Toujours. Quand il passait son temps à insulter tout le monde, tout le showbiz ivoirien, Arafat l'a jamais bronché. C'est pour vous expliquer un peu le degré d'amour qu'il y a entre Arafat et Desbordeaux. C'est ce que vous devez retenir en fait. Moi, je vous dis, c'est pas quel clash ça va finir. Hein. Mais ce que vous devez retenir là, Arafat et Desbordeaux, c'est la même famille. Cherchez une autre personne pour le détester. Mais je vous demande de ne pas détester Arafat. Il a son caractère que nous tous on sait. Moi, mais il a dénoncé ça plusieurs fois ici. Mais quand vous voyez ce dernier venir se réconcilier avec quelqu'un, il faut applaudir. Il faut féliciter ça. Vous comprenez un peu? Son ministre là, honnêtement, hein, quand je vous dis qu'il n'est pas intelligent, vous pensez que c'est parce que j'ai envie de l'insulter ou bien je veux juste me faire voir. Non, je n'ai pas besoin de me faire voir. Ma chaîne YouTube est trop performante. C'est maintenant que vous courez de la vue. Nous, on a fini de faire vue. Voilà. En 8 mois. Qui dit 8 mois? Toujours dans les 7 mois. Mais c'est le 14 de ce mois-là qui a fait 8 mois. Il y a 15, vous m'avez donné 15 000 abonnés. C'est parce que vous savez que mon travail est propre. C'est Dieu qui fait ça. Vous comprenez un peu? Franchement, cher ministre de la Yorogang, si tu es vraiment intelligent, que tu es plein d'humilité, hein? Didier Arafat, c'est ton président. Tu fais un direct d'excuses. Tu fais un direct d'excuses et puis c'est fini. On ne discute pas avec le président. Logiquement, là, quand le président fait quelque chose, on suit. Et puis on rentre dans son inbox pour dire non, le président, ce qu'il a fait là, moi, je ne suis pas un gérant, c'est pas Zou. Mais tu vas venir publiquement ici pour dire que Jean, c'est trop toi, quoi. Jean, c'est trop son défenseur. Tu n'es pas le seul à faire la vidéo pour lui, mon ami. Voilà, tu n'es pas le seul à faire la vidéo pour lui. Donc, il faut arrêter un peu. Le mec t'a dit. Il t'a dit de ne pas faire des directs. Mais tellement même toi-même, tu lui montrais que tu es impoli avant, que tu n'as rien dans la tête là. Tu t'es entêté à faire une vidéo de plus de 43 minutes. On appelle ça foutaise. Si c'est moi ici qui dis Arafat là, il t'est banni à jamais. Vous voyez, tu ne m'as pas respecté. Voilà. Tu fais un bara pour moi, je sais. Mais il ne faut pas exagérer. Je n'étais pas envoyé pour faire un bara pour moi. Voilà. Moi-même ici là, j'ai fait des vidéos, plusieurs vidéos ici, qui ont mal bien bougé. Je me suis vu à supprimer les vidéos qui ont fait 3500 vues en 2 ou 3 heures. Plusieurs fois ici. Et c'est même pas Desbordeaux qui m'a demandé. Hein. C'est fab. Ah, mon ami, on sait que tu es fâché, mais c'est pas Zo ce que tu as fait là. Il faut supprimer la vidéo. Il y a un coup, il m'a supprimé. Ça ne fait pas dire que c'est un lâche. Ça ne fait pas de moi une femme. Ici, un vrai garçon. Tu n'as même pas respecté ton artiste, mon ami. Il te dit ça en même temps. Tu n'as même pas respecté ton artiste. Nous, on sait qu'il faut les choses qui nous énervent.
vous les gens qui ne sont pas intéressants. Mais souvent, il ne faut pas exagérer. Ce ne sont pas nos amis. Ce ne sont pas... Ce sont pas nos amis. En Afrique, ici, là, nos artistes nous considèrent trop. Nos artistes nous considèrent trop, vous imaginez pas. En Belgique, aux États-Unis, dans les autres pays, là, c'est dans les concerts seulement. Mais une fois au passage, vous avez une hypermarché, il va pas se faire un petit autographe. Même pour vous donner un autographe, c'est tout un problème. On les jette. Mais ici, là, eux sont proches de nous, eux causent de nous. Il ne faut pas en marcher sur les têtes. Voilà. C'est pourquoi ils vous disaient, hey, les amis, c'est vrai, hein, de Bordeaux chauffe que. Arafat chauffe que. Mais nous ne nous pressons pas, parce qu'on va toujours rester plat, on va toujours avoir honte. Et puis je reviens encore dans cette vidéo pour vous dire, pensons réconciliation. Parce que quand il y a réconciliation, là, c'est là que je vous dis, ça fait augmenter la cote de notre débordeau. Notre débordeau devient encore plus fort. Donc ceux qui ne sont pas contents de cette réconciliation-là, franchement, vous êtes des sorciers. Arrêtez ça. C'est quoi on ne pardonne pas? Même le Christ, qui est le Christ là. C'est-à-dire pendant qu'ils sont de le fight sur la croix là. Il a dit Seigneur, pardonnez quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il demeure dans son esprit de pardon. Donc faut arrêter. Faut arrêter. Donc c'était ma vidéo du jour. Partagez-la si vous a plu et puis sachez que on met le comment ensemble. Bref, j'oubliais. Sachez que désormais, vous heureux de. Des choses de bonnes infos, c'est-à-dire ça sera des flash infos de 1 minute, 2 minutes, voilà, où je vais vous informer un peu de tout ce qui se passe ici et ailleurs, voilà. Donc, le programme de mes vidéos maintenant par journée, deux flashs dans la journée et puis une réaction. Vous aurez une vidéo à 10h, vous aurez une vidéo à 13h et une autre vidéo à 18h30, ça sera comme ça tous les jours maintenant. Donc, je compte sur vous pour le soutien, aidez-moi parce que... je vois loin et puis je vois pour nous tous, vous comprenez ça, vous comprenez ça un jour, voilà. Donc famille, c'était votre vidéo du jour, sachez qu'on est ensemble et puis merci encore pour les 15 000 abonnés, c'est Dieu qui va vous le rendre au centuple. On est ensemble, ciao ciao. Search TV, nous trouvons l'information que vous cherchez.